Bonjour tout le monde, bienvenue à Un Midi, un pays. Donc euh, aujourd'hui, nous allons découvrir la Tunisie avec Mander Benbarek qui va nous prendre à ce voyage virtuel avec sa présentation. Donc Un Midi, un pays, c'est une euh, initiation euh, de sensibilisation culturelle dans un sens, euh, chaque premier mercredi du mois une personne vient présenter son pays d'origine ou un pays où elle a résidé pour un certain moment. Euh, et euh, le pays que nous avons euh, à découvrir aujourd'hui, ça va être la Tunisie. Euh, je vous rappelle que les questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires et nous allons les répondre à la fin de la présentation. Vous pouvez écrire vos, vos questions à n'importe quel moment, mais nous allons seulement les répondre à la fin. Euh, un autre appel que Mander a le droit de répondre ou pas répondre à vos questions. Je vais venir ici à la fin encore pour lire vos questions et euh, notre conférencier va essayer de les répondre. Merci tout le monde. Bonjour tout le monde. Euh, merci Ojdan, merci euh, le CAFI de m'avoir euh, euh, cette opportunité pour présenter mon pays, la Tunisie. Euh, alors, donc aujourd'hui, euh, je vais essayer de vous présenter synthétiquement euh, mon pays, euh, la Tunisie. Euh, alors, donc la Tunisie, ou comme on l'appelle nous en arabe, c'est euh, Tunis. Euh, donc officiellement, c'est la République tunisienne. tunisienne. Donc, euh, c'est un pays euh, d'Afrique du Nord, comme euh, vous pouvez voir ici, c'est le, le petit pays là, en Afrique du Nord, et euh, donc euh, qui appartient au Maghreb, au Grand Maghreb. Elle est bordée au nord euh, et à l'est par euh, la mer Méditerranée. Et, euh, sa et sa frontière ouest s'ouvre sur l'Algérie et sa frontière sud-ouest sur la Libye. Alors. Donc la Tunisie de toute éternité, éternité depuis des commencements de l'histoire, ce petit territoire posé à l'extrémité nord-ouest de l'immense continent africain est baigné par le Méditerranée. Donc ici, juste vous voyez la, la Tunisie qui est bornée par la Méditerranée des trois faces. Alors. Euh, il serait euh, donc la Tunisie, il serait euh, le produit euh, d'une alchimie euh, qui lui aurait donné une singularité euh, à nul autre pareil dans sa région, euh, par une géographie particulière, euh, une large ouverture euh, sur une mer euh, emblématique, des ressources euh, modestes sans être négligeables, euh, une urbanité inscrite sur son sol depuis des euh, millénaires. Un mélange inédit de populations et de cultures. L'existence multiséculaire d'un État, voilà ce qui aurait contribué à donner à ce vieux, à ce vieux pays à sa configuration particulière. Pour le, le drapeau. Donc, le drapeau tunisien a été officiellement adopté en 1835. Donc, il a un fond rouge brillant avec un disque blanc dans le centre qui tient un croissant et une étoile. Le croissant et l'étoile dans le drapeau de la Tunisie sont un motif populaire du monde islamique, comme vous voyez. Donc, pour l'hymne national, ou ce qu'on appelle nous Homet al, al hima en arabe, c'est signifiant les défenseurs de la patrie. Et l'hymne national de la Tunisie depuis le 12 novembre 1987. Ce chant est écrit dans les années 1930 par le poète d'origine syrienne et de naissance égyptienne, Mustafa Sadr el rafi Donc, ensuite, deux vers du célèbre poème de La volonté de vivre d'Abul Khassem Shebi ont été à la, à la fin du texte. Alors pour la devise, donc c'est euh, le dinar tunisien, euh, donc qui est euh, la monnaie euh, de la Tunisie depuis euh, le 1er novembre euh, 58, et à partir de cette date, en fait, euh, il a remplacé le franc tunisien euh, avec le taux de 1 dinar égal 1000 francs. Le symbole monétaire de, de la, du dinar tunisien c'est euh, DT et le code ISO international c'est euh, TND. Et comme vous voyez là, il y a les billets. Nous avons par exemple des billets de 5, de 10, de 20, de 50. Et il y a les pièces de 1 dinar, 2 dinars, 0,5 dinars. Et il y a aussi les millimes comme 100 millimes, 200 millimes, 50 millimes, 20 millimes et 10 millimes. Alors donc pour le climat, euh, donc qui dit la Tunisie, il va dire bien sûr le, le soleil. Donc c'est le pays de soleil puisque on a le soleil euh, au cours de euh, toute l'année presque. Euh, donc c'est un climat euh, méditerrané euh, qui s'impose sur le territoire tunisien. Les températures sont plus élevées dans le sud, mais les étés ils sont presque partout euh, chauds et secs et les interactions douces et les hivers euh, frais et plus humides les mois de janvier et février sont les plus froids et arrosés puisqu'on a de la pluie. il peut niger dans les montagnes et les régions du nord-ouest en hiver, bien sûr. donc, le printemps est une saison particulièrement clémente, mais les mois d'octobre et novembre sont très propices pour découvrir les oisies du sud, puisque à ce moment-là il ne fera pas très chaud. Euh, le plein été, c'est-à-dire le mois de juillet et août, euh, ils sont caractérisés par euh, des canicules et il fait très chaud et certaines zones désertiques ne connaissent pas euh, de, précipi de précipitations plusieurs années euh, de suite. Donc, euh, comme vous voyez ici, à peu près, c'est une présentation du climat euh, pour toute l'année. Donc, on voit que euh, les, les, les degrés, ils vont, être, euh, ils, ils vont être entre 10 et 35 ou quelque chose comme ça. Mais la caractéristique, c'est qu'on a euh, le soleil toute l'année avec, euh, bien sûr, des, des degrés différents euh, selon la saison. Alors, donc, euh, pour la géographie euh, physique et humaine. Si on commence par la géographie physique, euh, donc euh, la Tunisie, c'est le petit pays euh, des États du Maghreb. Il se situe au nord du continent africain. Euh, sa superficie, elle est de 163 610 euh, km2. Il est séparé de l'Europe par une distance de 140 km au niveau du canal de Sicile, euh, limité à l'ouest par l'Algérie avec 965 km de frontières communes, au sud-sud-est par la Libye avec 459 kilomètres de frontières et au nord et à l'est par la mer Méditerranée avec 1566 kilomètres de côte. alors, donc, le désert du sahara, euh, il occupe une superficie qui, euh, qui varie entre après 33 et 40 du territoire. Euh, donc, la superficie des terres à vocation agricole est estimée à 10 millions d'hectares, euh, répartie en 5 millions de terres laborables, 4 millions de parcours naturels et 1 million de forêts et euh, garuches. Donc là, vous voyez ici une, une présentation de la Tunisie. Donc là, nous avons en le, la partie Sahara qui est présente à peu près le un tiers de la Tunisie. Euh, la capitale de, de la Tunisie, c'est Tunis. Euh, là, elle est au nord. Euh, voilà, nous avons les, les côtes ici, euh, tout ça. Et ici, le, le nord-ouest et ici, le sud-ouest. Euh, donc, alors que la vaste majorité des Tunisiens s'identifient culturellement aux Arabes, certaines études ont montré qu'ils qu seraient ethniquement plus proches des berbères, mais aussi de certains Européens. Et donc là, une présentation des, euh, des personnages célèbres durant l'histoire de la Tunisie, euh, comme par exemple Hannibal ou euh, la Kahina ici, euh, ou euh, Bourguiba ou euh, Farhat Hached. Ou des, des personnalités très connues dans l'histoire de, de la Tunisie. Alors. Donc la société tunisienne, généralement, elle est constituée de trois classes. Les pauvres qui représentent entre 15% dans les villes et 25% dans les milieux ruraux. La classe moyenne qui est la plus importante avec après 65% de la population et le restant, c'est-à-dire entre 20 et 35%, ce sont la classe riche ou les élites. Donc, euh, le territoire tunisien s'articule euh, en trois espaces inégalement peuplés et, et développés. Euh, donc, nous avons le, le littoral oriental euh, peuplé et développé. C'est ce que j'ai présenté là euh, par le vert et, euh, et le jaune. Donc, ça représente à peu près les 13 gouvernements côtiers qui totalisent 65% de la population totale avec une forte densité de population, à peu près 140 habitants par kilomètre carré, contre 65 habitants sur le reste du pays. Ensuite, nous avons une bande médiane rurale et agricole. Ce sont les gouvernements du nord-ouest et sud-ouest qui totalisent à peu près 17% de la population et qui est urbaine à hauteur de 30% seulement. Donc, c'est ce qui est présenté là avec le, euh, la, couleur, euh, rose, la couleur rose, comme ça. C'est la couleur rose. C'est ça, cette partie. Et nous avons enfin euh, la bande occidentale peu peuplée. Ce sont les gouvernorats euh, qui euh, s'étendent euh, entre ceux de Gendoba. Euh, au nord-ouest et aux au sud-ouest représentant 18,1% de la population avec une densité très faible due à l'extension des espaces soit montagneux de la dorsale tunisienne et aussi désertique du sahara et ce qui est présenté là avec la couleur rouge alors, en termes de, de répartition de la population hein, par, par sexe, on voit qu'après, il y a inégalité entre les femmes, les femmes et les hommes, ce qui est très bien. Donc, on voit qu'à peu près, c'est 50-50. Et selon les, les dernières statistiques faites en 2020, euh, la population tunisienne est de 11 721 177 personnes. Euh, ensuite donc euh, pour la, la population la répartition par euh, âge euh, donc, on voit là que la population tunisienne est relativement très jeune, euh, puisque euh, le pourcentage des gens qui ont entre 0 et 14 ans, donc inférieur à 14 ans, ce sont les enfants, c'est à peu près de 26%. Euh, ensuite, euh, la population entre 15 et 64, vraiment là, c'est la majorité des, des populations, c'est 66%. Et finalement, les, les Inés, plus de 65 ans, c'est juste 9% à peu près. Donc, l'âge moyen en Tunisie, il est de 32 ans. L'âge médian, il est de 31 ans. La taille moyenne des ménages, elle est de 4 personnes. Et le taux de scolarisation pour les, les jeunes entre 6 et 14 ans, il est à peu près de 96 Et ici, juste une, une, une courbe qui montre l'évolution de, de la population tunisienne depuis l'année 1960 jusqu'à l'année 2020. Donc, on voit que euh, durant les dernières années, le taux d'évolution de la population il est beaucoup moins que euh, les années 70 ou 80. Et, et ça, il est dû à une politique euh, qui, euh, qui n'encourage pas trop le, 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 la fécondation et tout ça. Alors, pour l'histoire de la Tunisie. Euh, donc. Euh, la Tunisie, c'est un pays euh, millénaire qui existe depuis plus de 3000 années. Donc, euh, par son emplacement euh, stratégique au cœur du bassin, euh, bassin méditerranéen, la Tunisie devient l'enjeu de la rivalité des puissances successives comme l'Espagne de Charles Quint, le jeune empire ottoman, euh, puis la France, qui prend le contrôle de la province ottomane pour devancer sa rivale italienne. Euh, marquée par euh, des profondes transformations structurelles, structurelles et culturelles, la Tunisie voit s'affirmer rapidement un mouvement nationaliste qui conclut avec la puissance titulaire les accords aboutissant à l'indépendance en, en 1956. Dès lors, le pays est conduit à marche forcée vers la modernisation et l'intégration économique sous l'impulsion d'un parti politique resté dominant jusqu'à la révolution de 2011. Et en bref, j'ai essayé de, de faire une synthèse de l'histoire de la Tunisie. Alors, donc, euh, on peut diviser l'histoire de la Tunisie par, euh, par époque. Donc, on trouve euh, la première ère qu'on qu appelle l'ère euh, antique, qui, qui s'étend de, euh, de 1100 avant Jésus-Christ jusqu'au 532. Elle est caractérisée par la fondation de Carthage. Euh, en fait, la Tunisie, initialement, était Carthage. Et donc, les guerres puniques entre les, les Romains et les Carthaginois, et finalement, ce qui a été terminé par la destruction de Carthage. Ensuite vient le Moyen-Âge, l'époque du Moyen-Âge, depuis 533 jusqu'au 1533, avec l'invasion arabe, les, avec les Zarlabides, les Fatimides, les Afsides et plusieurs aussi civilisations ont passé sur cette époque-là jusqu'à l'époque moderne qui est entre 1534 et 1856, qui est euh, caractérisée par la domination espagnole et ensuite l'Empire ottoman. Après, donc, on retrouve l'époque euh, contemporaine. C'est euh, à peu près de, de l'année 1857 jusqu'à l'année 1880. Elle est caractérisée par euh, la première constitution tunisienne, euh, ensuite euh, la tutelle d'une commission financière internationale et finalement euh, jusqu'au la, la protection. Protectorat français, ce qui est la période entre 1881 et 1956. Donc, ça commence par le traité de, de Bardo qui, qui signe le protectorat français. Ensuite, la création du parti libéral constitutionnel tunisien, ou ce qu'on appelle en Tunisie Destour. Donc, ensuite, Bourguiba, il fonde le, le parti national du Neo Destour qui remplace le Destour, en fait. Et, et après, donc euh, aussi, il est caractérisé par euh, la création de légitimité par euh, Farhad Hachet, euh, Ensuite, euh, la guerre de résistance contre euh, le colonisme français et, euh, et jusqu'aux euh, négociation, les négociations d'indépendance en 1956. Après donc on retrouve la période d'indépendance, c'est-à-dire les entre les années 1956 et, et l'année 2010. Donc euh, on commence par l'indépendance qui a été euh, déclarée en, au 20 mars 1956. Ensuite euh, les élections de l'Assemblée euh, constituante et après la nomination de euh, Bourguiba comme euh, premier ministre et ensuite président euh, et la naissance de la première république Tunisienne. Euh, ensuite, donc, euh, depuis 1987, ce sera euh, Ben Ali qui, qui prend le pouvoir. Euh, suite à euh, un coup d'État euh, appelé médical, entre guillemets, jusqu'à, donc, on arrive à, à la grande étape le, le, de la révolution, c'est à partir, c'est-à-dire, de l'année 2011 jusqu'à au, euh, jusqu au aujourd'hui, 2021. Donc, euh, elle est caractérisée par euh, la fuite de Ben Ali sauf, euh, vers l'Arabie saoudite en, 2000, en début 2011, ensuite euh, la nomination d'un gouvernement de, de transition, euh, l'élection de l'Assemblée constitutionnelle, euh, après la domination des, des islamistes sur la scène politique depuis les élections et aussi jusqu'à aujourd'hui on retrouve le pays il est caractérisé par une crise politique, sociale et économique suite à la révolution et aux différents changements qu'on a connus. Alors, donc, après pour les politiques. donc euh, donc, les politiques, c'est pareil, j'ai essayé de, de les classer par, par période. Donc, en, bien sûr, j'ai commencé à partir de l'indépendance. Donc, la première période, on peut l'appeler euh, post-indépendance, c'est-à-dire entre les années 1956 et euh, le 1987. Euh, donc, euh, elle est caractérisée par le fait que, euh, que de la domination euh, du régime du parti euh, New Dostour sous le président euh, Abib Bourguiba, euh, le président donc, euh, avec Bourguiba et son parti, le New District, ils ont dominé la vie, la vie politique qui est remarquablement stable quand même à cette époque-là. Euh, ensuite, donc, le gouvernement, et il, et il a donné comme priorité, euh, sous la direction de Bourguiba, la réalisation des programmes relatifs au parachèvement de la souveraineté nationale et à la modernisation de la société. Donc, euh, globalement, la politique suivie par l'État s'articule au euh, autour de trois axes. C'est politique sociale, culturelle et indicatif. Ensuite, donc, euh, ce que j'ai appelé la continuité, puisque vraiment il n'y avait pas une, une vraie rupture euh, ou un vrai changement, c'est entre les années 1987 et euh, 2011, euh, donc euh, qui est caractérisé depuis le 7 novembre 87, c'est euh, Zine El Abidine Ben Ali le, qui était premier ministre à l'époque dans le gouvernement de Bourguiba et il, a, il dépose le président Bourguiba pour euh, signalité et prend en main les destinées du pays. À l'issue d'un coup d'État médical entre guillemets et unique dans les annales du monde arabe donc c'est la première fois que ça a été fait euh, ensuite euh, parce que généralement d'habitude ce sont des, des coups d'État militaires mais en Tunisie on n'a jamais eu un coup d'État militaire mais on a eu un coup d'État médical en 87 dirigé par Zine El Ben Ali qui était le premier ministre et qui a repris le pouvoir et est devenu le président jusqu'au 2011 donc euh, ensuite donc euh, la suite au pouvoir s'opère dans le cadre euh, apparent de la légalité constitutionnelle et de façon pacifique. Donc, ce n'était pas une guerre ou euh, vraiment des confrontations, ça a été très pacifique. Euh, donc, euh, après, sous son gouvernement, euh, la Tunisie fait des progrès euh, économiques euh, notables. Mais à partir des années 2000, la vie politique tunisienne est caractérisée par l'intensification de la répression politique, artistique et la limitation des droits et de la liberté d'expression. Donc toujours pour l'étape de, de Ben Ali, la continuité. Donc au plan de l'organisation des pouvoirs, il s'agit d'un État unitaire. Le régime politique est présidentiel. Donc c'est le président qui gouverne sans nécessairement avoir l'appui de, de la branche législative. Donc la Tunisie joue également un rôle actif au sein du monde arabe. Elle prend une approche modérée et ouverte euh, envers l'Occident. Et euh, par exemple, en 1995, la Tunisie signe, par exemple, un accord de, liberté, de libre échange avec l'Union européenne. Mais toujours depuis les années à peu près 2000, la vie politique est dominée par la famille de Ben Ali et aussi la famille de son époux, Leila donc Et on voit là dans la photo que j'ai sélectionnée, on voit là le président Ben Ali, ça c'est son époux, ça c'est son gendre, sa fille et la famille qui a dominé la vie politique et économique de la Tunisie depuis à peu près les années 2000. Ce qui va conduire euh, à la révolution de euh, 2011. Et justement, là, euh, donc la, la dernière étape, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'étape post-révolution euh, depuis 2011. Donc, euh, à partir de 18 décembre euh, 2010, le pays fait face à une violente crise sociale à la suite du suicide d'un jeune chômeur, euh, Mohamed Bazizi, euh, par immolation, et im immolation à Sidi Bouzid, euh, Le mouvement de contestation, dont les revendications sont à la fois sociales et politiques, s'étend ensuite à d'autres villes euh, du pays. En 2011, dans le contexte du printemps arabe, le régime s'effondre à la suite des manifestations populaires réclamant davantage de liberté et une amélioration de la situation économique. Donc toujours pour l'étape post-révolution, la révolution tunisienne provoque bien sûr le départ de Ben Ali et permet la Tunisie d'élections libres pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie. Euh, les élections euh, multiparties euh, sont tenues plus tard au cours de l'année 2011, et euh, ce qui a conduit à la constitution de, de l'Assemblée constituante qui a été élue le 23 octobre 2011 et euh, qui a adopté en 2014 une nouvelle constitution prévoyant un régime parlementaire, mais parlementaire mixte avec un exécutif euh, bicéphale démocratique et multipartie. Et depuis 2011, le pays a été dirigé par 13 gouvernements et 4 présidents. Donc, juste en 10 ans, on a connu 4 présidents et 13 gouvernements, alors qu'avant, par exemple, pendant plus de 50 années, euh, une cinquantaine d'années, on a connu uniquement 2 présidents. Donc, ça, c'est juste une, un signe de, de la crise politique et, et aussi euh, économique qui connaît euh, le pays euh, à cause de l'instabilité. Alors donc euh, pour l'économie. Donc je voulais commencer par la politique, euh, présenter un peu les grandes lignes de la politique tunisienne euh, depuis l'indépendance. Donc euh, on retrouve aussi des grandes étapes. Par exemple la première étape c'était euh, l'étape de nationalisation entre les années 56 et les années 61. Ensuite euh, euh, le gouvernement tunisien ou l'État tunisien a, a fait une petite expérience socialiste entre les années 61 et 69. Et euh, qui n'a pas réussi, et a été euh, rapidement euh, abandonné. Ensuite, donc, euh, on retrouve l'étape de capitalisme sous, sous ce qu'on puisque c'est pas vraiment le capitalisme, ça a été sous contrôle de l'État quand même. Donc c'est euh, la période entre euh, les années 70 et les années 81. Après, donc, c'est euh, ce qu'on appelle la libéralisation de l'économie entre les années 87 et 95 et euh, aussi donc on aura l'autre étape entre euh, les années 95 et les années euh, 2010 et jusqu'à arriver à, à la période post révolutionnelle depuis euh, 2011 où la Tunisie elle cherche toujours vraiment euh, une politique économique claire et nette alors, donc euh, là, juste, j'ai voulu aussi revenir sur les grandes étapes, mais avec un peu plus de détails pour euh, indiquer quels sont les, les grands les, les grandes événements qui ont été euh, marqués chaque étape. Donc, euh, par exemple, pour l'étape de euh, la politique de nationalisation, donc elle était connue par euh, ou euh, elle était symbolisée par la création de la société des chemins de fer, euh, la monopolisation des banques, euh, du, euh, du transport euh, public et de l'industrie. Donc tout ça, ça a été nationalisé puisque avant, ça a été sous euh, la, la dépendance de, de, de la France. Euh, ensuite, donc euh, aussi, c'est caractérisé par la nationalisation des sociétés d'électricité, de gaz naturel et d'eau et plusieurs autres sociétés. Euh, ensuite, pour l'expérience socialiste qui a duré juste 8 ans, de 61 à 69, elle était euh, surtout caractérisée par... La création des collectivités économiques, la création aussi des euh, coopératives agricoles gérées par l'État, et aussi elle a été euh, connue par euh, l'UGTT, le, le, c'est l'Union générale des travailleurs tunisiens, c'est les syndicats. Les syndicalistes, à cette époque-là, aussi, ils ont imposé euh, leurs règles euh, sociales. Donc Après l'étape de capitalisme sous contrôle, donc, euh, entre les années 70 et 86, il était surtout euh, connu par la création des, des industries de textiles, de, des manufacturiers aussi. Euh, là aussi l'implémentation de l'activité euh, touristique. Euh, et aussi, ça a été caractérisé par une ouverture et un encouragement de la privatisation, les premiers signes de privatisation. Mais aussi, dans les années 85, 86, euh, il y a eu une crise économique euh, durant cette année-là et ce qui va mener au, au changement de, de la politique et au changement aussi euh, de, du président, puisque c'est après cette crise-là qu'on qu a eu le coup d'état médical qu'on a appelé en 87. Et justement, donc, l'étape de libéralisation de l'économie qui, qui s'étale entre les années 87 et les années 95, qui a été connue surtout par euh, la coopération avec le FMI et la Banque mondiale pour la première fois. Ensuite, donc, hum, ça a été aussi un mouvement de privatisation des entreprises étatiques. Euh, aussi, ça a été le démantèlement progressif des barrières douanières et la création de zones de franchise totalement dédiées à, à l'export. Euh, ensuite, donc pour l'étape de la mise à niveau euh, de l'économie qui, euh, qui s'étale entre les années 95 et l'année 2010, c'est-à-dire juste avant la révolution, toujours sous la direction du président euh, Ben Ali, donc euh, ça a été caractérisé surtout par l'accord euh, de plusieurs avantages fiscaux pour la réorganisation de l'économie, euh, l'encouragement du secteur des nouvelles technologies, euh, l'augmentation du taux de chômage et, et la euh, fragilisation de la de la classe sociale et vous voyez donc là il y a une liaison toujours entre l'économie et la politique c'est pour ça que euh, ça a commencé à, à avoir des revendications sociales c'est suite à cette aussi à cette politique économique et donc euh, finalement aussi c'est cette étape -là, cette période là il est caractérisé aussi par la forte domination de la famille du président et de son époux euh, sur l'économie euh, ensuite donc on, on a la dernière étape qui est la période post révolution euh, c'est à dire depuis les années 2011 jusqu'au nos jours là euh, elle est au niveau économique c'est vraiment elle est caractérisée par l'absence de programmes politiques économiques très clair aucun parti n'a vraiment donné un programme clair et toujours on est dans la stabilité et l'instabilité et la gestion on va dire euh, improvisée de l'économie donc aussi cette étape-là, c'est toujours lorsque l'État il est fragilisé, c'est les syndicats qui, qui imposent leurs règles sociales et c'est ce qui a été passé. Et ce que c'est euh, le résultat, ça a été le, la croissance massive euh, du nombre des euh, des employés du secteur public qui, euh, dans certains secteurs, ça a été multiplié fois trois ou fois quatre. Euh, ensuite, donc euh, aussi cette, cette période-là, elle, elle est caractérisée par euh, vraiment une instabilité euh, politique et du coup une crise économique et sociale qui dure jusqu'à euh, nos jours-là. Pour les, les principaux euh, secteurs d'activité économique en Tunisie, donc on voit très, très bien que euh, l'économie tunisienne, elle est basée vraiment sur euh, sur les services, donc euh, avec euh, un pourcentage à peu près de 64 Pardon. Euh, donc, euh, les services, ça représente vraiment le noyau de, de, de l'activité économique tunisienne. Ensuite, aussi, on retrouve euh, l'industrie avec une part dans le PIB de 26% et euh, l'agriculture avec une part de 10%. Et justement, euh, après, je vais revenir sur détailler un peu les, les, les trois secteurs. Euh, donc, <coughs> Le premier secteur c'est les services, donc ça englobe les activités touristiques, les banques, tout ce qui est commerce et distribution, tout ce qui est télécommunications et tout ce qui est technologie. Donc tout ça, ça représente, comme j'ai dit tout à l'heure, donc à peu près 65% de la de l'activité économique en Tunisie. Ensuite, l'industrie qui est caractérisée surtout pour les par l'industrie les, des des mines. Euh, les BTP, euh, l'agroalimentaire, les textiles et le cuir. Aussi, euh, et nous avons de l'industrie de, des matériaux de construction ou des produits mécaniques et électriques, mais avec un, un petit pourcentage vraiment. Ensuite, pour l'agriculture euh, et la pêche, donc euh, c'est caractérisé surtout par la production d'huile d'olive, les dates, les agrumes, euh, aussi euh, pour la pêche, les, les poissons et tous les fruits de mer. Alors donc là justement j'ai voulu juste montrer euh, les principaux produits euh, agricoles que la Tunisie elle est elle est fière et que c'est très connu des produits de très bonne qualité comme par exemple l'huile d'olive tunisienne qui qui a euh, la première place mondialement dans plusieurs concours donc euh, dans le monde ensuite aussi les dattes tunisiennes qui sont de très très bonne qualité qui sont très connues mondialement on retrouve aussi les les agrumes nous avons vraiment une très grande variété avec une très bonne qualité euh, les grenades ou encore les euh, tout ce qui est euh, poisson et fruits de mer aussi c est, c est, ce sont des produits de très bonne qualité ce sont des produits purement tunisiens alors après donc pour le patrimoine culturel donc la culture de la Tunisie forme une synthèse des différentes cultures amazires, puniques, romaines, juives, chrétiennes, arabes, musulmanes, euh, turques et françaises qu'elle a intégrées à des degrés différents. Et cela, il est, euh, il est bien sûr, il est expliqué. Il est dû euh, aux, aux différentes civilisations qui ont succédé euh, à travers l'histoire de euh, la, la Tunisie. Donc les moteurs de la culture tunisienne actuelle sont très divers et marqués par euh, cet héritage métissé. Et les musées comme par exemple, celui de, du Bardo, euh, l'architecture des villes comme Sidi Boussaid, ou les, des Médinas de Tunis, de Sousse ou de Sfax encore. Alors, donc j'ai essayé ici de, de, euh, de sélectionner euh, certains monuments ou certaines euh, villes où, euh, où la Tunisie elle est très connue, qui, qui sont vraiment très connues avec leur charme, comme par exemple euh, le, le quartier de Sidi Bou Saïd, qui est un village pittoresque perché sur une falaise dominant le golfe de Tunis au bord de la mer. Donc, Sidi Boussaïd est l'un des plus beaux sites en Tunisie. Et là, vous avez juste quelques images pour les gens qui ne connaissent pas cette zone-là. Donc toujours pour le de donc euh, c'est un véritable paradis au, au cœur de la Méditerranée et se mêle au paysage euh, à la végétation euh, luxuriante. Un magnifique port de plaisance, des cafés aux myrtilles et des ruelles euh, tortueuses bordées de maisons aux couleurs blanches et bleues, comme vous voyez là. Euh, tout le quartier il est, il est vraiment en bleu et, euh, et blanc. Avec bien sûr euh, plusieurs, plusieurs cafés euh, comme là donc on voit des, des cafés et euh, un port euh, de plaisance aussi. Ensuite donc, euh, la médina de Tunis où euh, c'est en arabe la médina mais euh, en français, peut-être on peut lui dire que c'est la vieille ville arabe euh, du Tunis. Elle vous plonge instantanément dans une, dans une cité euh, au bout du monde où, où les textures, les couleurs, les saveurs et les odeurs euh, n'ont d'égal. Dans ce véritable euh, labirint de Riel, vous serez envoûté à, euh, par les rues couvertes, euh, les diverses arcades et, et vous vote de cette euh, ville. Donc, là, juste quelques images de, de, la, de la Médina, de la ville de Tunis. Et après, donc, euh, euh, vraiment, la Médina de Tunis, c'est la ville dans la ville, euh, puisque euh, euh, elle, est, euh, elle est connue par une vie euh, trépidante aux allures fantastiques des souks. Et où trouver les diverses spécialités du pays, et où vous pouvez avoir vraiment des objets très intéressants comme comme souvenir. Et là, juste une image des de quelques souks de de la médina. Alors, toujours pour le patrimoine culturel tunisien, j'ai choisi aussi ensuite le site archéologique de Carthage qui est un vestige d'un antique empire. Donc, ce site-là, il abrite des vestiges en majorité romains, mais aussi nous avons des, 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 des vestiges carthaginois, vandales, c'est-à-dire pour le peuple germanique oriental, et paléo chrétien cest c'est-à-dire l'origine des, des christianismes, ou encore arabes, finalement. Donc, on retrouve dans ce site les, les ports puniques, les nécropoles, l'amphithéâtre, les basiliques, l'acropole de Birsa, les thermes d'Antona et les citernes de la Malaga. Donc là, juste une présentation de quelques images de, du site archéologique de, de Carthage qui, euh, qui a donné son nom à l'ancienne la, à ville euh, Carthage qui a donné son nom aussi après à la Tunisie. Euh, aussi euh, je vous ai choisi euh, l'amphithéâtre de Jam, euh, puisque euh, il, se situe, ça, il, est, il est au cœur de la région de Sahel. Euh, son amphithéâtre impressionnant est le joyau de la riche cité antique de euh, Tusdrus et le plus grand de l'Empire romain après ceux de Rome et de la euh, Capo. Donc c'est vraiment le troisième plus grand euh, amphithéâtre après celui de Rome et Capo euh, au monde. Euh, donc l'amphithéâtre se compose de gradins. La cavilla divisée en trois parties séparées par des euh, balustrades et desservie chacune par un escalier spécifique. Un podium est réservé aux personnalités et les spectateurs sont répartis selon la hiérarchie sociale de la cité. Euh, dans l'arène se déroule euh, l'arène ici, c'est dans la deuxième image, c'est l'arène là. Euh, dans donc là se, se déroulent les, les chasses aux foivres, les combats euh, de gladiateurs Euh, après euh, j'ai essayé aussi de choisir euh, une, euh, un monument au, au nord donc ça a été euh, Sidi Bou Saïd et Carthage ensuite un monument au, au milieu de la Tunisie c'est ça a été euh, l'amphithéâtre de jam et là j'ai choisi euh, un monument euh, au sud de, de la Tunisie c'est Tozeur donc c'est une perle du désert tunisien donc Tozeur il se situe à la frontière algérienne dans le sud-ouest du pays à environ 450 km de Tunis euh, elle est entourée d'environ 1000 hectares de palmiers, euh, soit environ 400 000 arbres euh, subdivisés en des milliers de petits jardins. Donc, vous, comme vous voyez là, c'est vraiment elle est très connue par les palmiers et par le, la production des dates. Mais encore aussi, euh, Tuzar, elle abrite euh, de nombreux sites historiques et euh, touristiques, tels que par exemple euh, Tamarza, euh, Ras Layoun, le musée d'Arshayet, le parc Chakwak, la médina de Tuzor. Et là, c'est le Chakwak, et euh, ici, c'est euh, Tamarza. <laughs> Euh, en plus que ça donc euh, nous avons aussi huit euh, sites et monuments sont inscrits par l'UNESCO sur la liste de patrimoine mondial euh, pour la, leur valeur euh, culturelle donc c'est officiel ils sont inscrits euh, à l'UNESCO donc euh, je vais passer rapidement je vais pas aller euh, parce que j'ai déjà présenté la médina de Tunis le site archéologique de Carthage nous avons aussi l'amphithéâtre d'El Jam, le parc national de Eshkel aussi la cité punique de euh, Kerkouen et sa nécropole, et la Médina de Sousse, euh, Kairouan ou, ou Kairouan, comme on le dit en arabe. Donc, ça a été ça, le Kairouan, était euh, la capitale de, de la Tunisie dans la période des euh, Arlabites. Euh, ensuite, nous avons aussi Doga, ou, ou comme on l'appelle en français, euh, Foga. Alors toujours pour le patrimoine culturel, donc euh, aussi j'ai choisi, choisi les éléments qui sont inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc on retrouve euh, les le savoir-faire lié à la poterie des femmes de Sajniel, euh, les connaissances, savoir-faire, traditions et pratiques associées aux palmiers datiers, aussi, on retrouve les savoirs, savoir-faire et pratiques liées à la production et à la consommation du couscous. Et finalement, ça a été fait, je pense, en 2020, la pêche à la euh, Charfia ou aux, aux îles de euh, Kerkennah. Alors, pour les, les coutumes et les habitudes des, des Tunisiens. Euh, donc, la Tunisie euh, n'a pas hésité entre tradition, religion et modernité. Euh, en, en allant y vivre, euh, vous découvrirez un pays mené par le respect de l'islam, une manière de vivre tournée vers l'Occident euh, et un quotidien attaché à ce qui a forgé son identité au fil des siècles. Euh, donc la chose frappante euh, dès les premiers instants euh, c'est que euh, les tunisiens ils sont naturellement joyeux et euh, aiment se réunir en famille ou entre amis. l'atmosphère euh, qui règne autour de ce peuple est empreinte d'une un, énergie rare celle de la vie ensoleillée malgré les bas salaires et les tracas du quotidien. Euh, aussi, ensuite, j'ai juste essayé de, de sélectionner quelques coutumes tunisiennes qui sont, on va dire, spécifiques à, à la Tunisie, peut-être. Donc, euh, par exemple, la, la première coutume qui différencie la Tunisie ou euh, de, surtout du monde islamique et arabe, ce sera la liberté des femmes, puisque le statut des femmes tunisiennes est modernisé depuis l'indépendance du pays en 1956. Euh, la polygamie est abolie, euh, tandis que euh, l'émancipation. Euh, l'émancipation de la femme, le droit de vote, l'accessibilité à la scolarité, etc., sont mis en œuvre depuis aussi les années d'indépendance. Les femmes donc font actuellement partie intégrale de la vie active du pays. Ensuite, nous avons le hammam ou le hammam, comme on le dit en arabe. Donc c'est une coutume euh, très ancienne, euh, euh, mais elle a évolué et se modernise avec les temps. Euh, Donc, mais avant, traditionnellement, le hammam était la seule distraction des femmes tunisiennes et le lieu de rencontre des hommes. Et ça a été aussi euh, où les belles-mères y évaluaient et y choisissaient leurs futures euh, belles-filles. Ensuite aussi une coutume très très connue en Tunisie, c'est c'est pas bon pour la santé, mais euh, mais voilà c'est une coutume tunisienne, c'est fumer euh, la chicha. Donc euh, la chicha, euh, elle consiste à aspirer la vapeur de cette plante euh, qui est très cousine du tabac, euh, bouillie dans une pupe à eau appelée euh, narguilé, euh, du miel, du citron et beaucoup d'autres euh, aussi parfums, euh, macernés pendant une demi-heure. Ils sont ajoutés pour obtenir une senteur plus agréable. Le riche achicha est rempli et couvert de feuilles d'aluminium euh, trouées pour y poser des braises de charbon euh, incandescentes. Euh, toujours au niveau des coutumes, euh, donc euh, là j'ai choisi quelques règles de politesse tunisienne qui sont plus ou moins respectées. Euh, donc par exemple il y a certaines coutumes qui indiquent qu'il faut enlever les chaussures avant d'entrer dans une maison ou un lieu euh, religieux. Qu'il qu faut être patient, surtout lors des, des pauses et accepter plusieurs tasses, même si euh, vous, vous n'en voulez et plus. Donc, et en plus en Tunisie, vraiment lorsque les gens ils vont dans les cafés, par exemple, c'est pas euh, une pause de, de cinq minutes ou de 10 minutes, c'est généralement deux heures, une heure ou même, même un peu plus. Donc, c'est très caractéristique aussi euh, ça de la Tunisie par rapport aux, aux pays surtout occidentaux. Euh, ensuite aussi, euh, euh, c'est plus ou moins, comme j'ai dit, respecté. C'est il faut enlever les lunettes de soleil avant de discuter avec une personne. C'est généralement un, un, un indice de politesse. Euh, ensuite aussi, toujours pour les les règles de politesse tunisiennes, c'est euh, éviter de passer devant une personne qui prie et d'entrer ou, ou d'entrer dans un lieu euh, sans, sans invitation. Euh, pour les salutations, on utilise toujours la main droite et euh, accepter toujours les, 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 les plats offerts parce que ce n'est pas un bon signe de refuser euh, les plats offerts même si vous, vous n'en voulez pas juste comme règle de politesse. Alors, euh, après, donc euh, aussi, les euh, superstitions ont toujours fait partie de notre quotidien. Héritées par nos grands-parents et transmises par euh, nos parents, certaines coutumes persistent tandis que euh, d'autres euh, tendent à disparaître, surtout au niveau de leur application. Et euh, ci-dessous, donc euh, dans la... Euh, la prochaine slide, j'ai choisi quelques coutumes et habitudes qui font partie de notre héritage culturel et spirituel, mais comme j'ai dit, ce n'est pas vraiment euh, respecté à 100% puisque pas mal de ces coutumes-là ont, ont disparu via le temps ou ont été modernisées par les nouvelles générations. Donc, par exemple, mais à titre d'anecdote, là, là ni plus ni moins, donc, euh, il y a des, des choses qu'il ne faut pas faire ou il faut faire, comme par exemple franchir le pas d'une nouvelle maison par le pied droit, c'est toujours. Un c'est comme, comme une culture c'est toujours il faut utiliser comme si le, le pied droit pour rentrer dans une maison il ne faut pas balayer à la maison après le cocher du soleil je ne sais pas pourquoi mais, mais c'est comme ça euh, ne pas siffler parce que ça ça indique que ça invoque le diable euh, il ne faut pas ouvrir et fermer les ciseaux en jouant c'est pas bien, aussi. Il ne faut pas laisser les chaussures à l'envers, ne pas jeter les ongles dans la poubelle, mais plutôt dans les toilettes. Donc, tout ça, juste, comme j'ai dit, ce, n'est pas, ce n'est pas vraiment des règles, mais c'est juste, ça fait partie des coutumes et des habitudes de Tunisiens. Comme aussi, jeter de l'eau derrière quelqu'un qui prend la route pour qu'il ne lui arrive pas malheur, sur la route et qu'il revienne sain et sauf. Aussi un bébé ou enfant vient pour la première fois chez, chez nous, on, on lui offre un petit cadeau. Euh, autrement, euh, on verra euh, la maison investie de, de souris. Euh, aussi, ne pas raconter un mauvais, euh, un mauvais rêve à peur qu'il se réalise. Euh, ne pas revenir en arrière même si vous oubliez quelque chose. Euh, quand le bébé a le OK, il est d'usage de lui mettre un truc rouge entre les yeux. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça les habitudes. Ne pas donner euh, sa bague de fiancé à essayer à quelqu'un d'autre, et surtout pour les femmes. Voilà, euh, aussi encore euh, d'autres euh, coutumes ou habitudes. Euh, donc, euh, certains euh, mettront de l'eau à côté du bébé la nuit pour que les anges boivent. Euh, il ne faut pas prêter ou faire sortir des selles à la sel de la maison. Euh, ceux qui le font risquent d'être ruinés. Il ne faut pas se couper les cheveux en pleine lune euh, parce qu'ils repoussent très vite. Et il est préférable de ne pas préparer la chambre du bébé avant sa naissance ni d'acheter ses vêtements avant le huitième mois. Ne pas rester et s'asseoir euh, sur le pas de la porte il ne faut pas s'asseoir sur les oreilles, euh, vous risquez euh, sur les oreillers, euh, vous risquez de n'enfanter que des filles. Voilà globalement certaines habitudes et coutumes tunisiennes qui, comme je dis, ce ne sont pas vraiment des règles, mais ils sont plus ou moins respectés par les, surtout pour les, par les nouvelles générations. Alors pour la nourriture en, en Tunisie. Euh, donc, la cuisine tunisienne elle est, euh, est pleine de saveurs. Euh, cette richesse s'explique par euh, les nombreux héritages qu'a reçus la tunisie des cultures berbères et andalouses, euh, aux populations arabes, en passant par les italiens, les juifs et en ou encore euh, les turcs. donc, aujourd'hui encore, le pays reste marqué par ses différentes euh, traditions et les ingrédients les plus courants de la cuisine tunisienne sont le blé, les olives, la viande, les poissons, les fruits de mer. Euh, mais aussi les épices et le piment font également partie intégrante de la gastronomie euh, locale. Alors, donc, euh, j'ai essayé de choisir des, des plats tunisiens très, très connus en Tunisie et peut-être même il y a certains plats qui sont connus euh, euh, au niveau international, comme par exemple le, le couscous. Donc, le couscous est le plat vraiment euh, le plus traditionnel par excellence, euh, surtout pour les euh, cérémonies. Donc, il est d'origine euh, berbère. On le retrouve dans l'ensemble des pays de Maghreb, comme l'Algérie et le, le Maroc ou, ou la Libye. Et il se compose euh, de semoule, euh, des légumes, de la viande. Généralement, on utilise l'agneau, mais on peut utiliser d'autres choses. Et dans le nord aussi du pays, on retrouve également le mesfouf, un couscous sucré servi ou comme euh, entremets. Ensuite aussi euh, donc euh, les, pâ les pâtes euh, c'est vraiment là le plat le plus consommé de la de la cuisine tunisienne euh, donc euh, même si le couscous il reste le plat traditionnel de la cuisine tunisienne euh, il est plus euh, les pâtes ils sont plus plus consommés donc euh, d'ailleurs il existe en Tunisie de nombreuses variétés comme les euh, noisettes euh, carrées et cuites à la vapeur les euh, restas euh, nouilles eh, les mhamsa ou les pâtes farcies, on les sert généralement dans une soupe ou avec de la viande, de la sauce tomate, eh, les pois chiches, des poivrons et des épices. Et là, vous avez une, quelques images qui illustrent, euh, ça c'est le noisseur et ça c'est le rechta. Euh, la chorba ou, ou la soupe en français c'est en français c'est la soupe en, en arabe on, on lui dit euh, la chorba elle se compose de euh, poulet ou de poisson de persil de céleri et de jus de citron sans oublier les fameuses pâtes appelées euh, langue d'oiseau. Euh, le euh, lablabi, euh, il, euh, il est fait de pois chiches, euh, huile d'olive, harissa, euh, euh, ail, sel, cumin, euh, euh, jus de citron et croûtons euh, de, de pain. Donc là, juste une illustration de ce plat euh, très traditionnel et très populaire en, en Tunisie. Mais il est euh, épicé. Généralement, il est très épicé. Euh, la salade michouia. Euh, donc, euh, elle est faite à base de légumes grillés, euh, Chouia, c'est d'ailleurs euh, le mot grillé, euh, coupés euh, finement comme le poivron, euh, la tomate ou euh, l'aubergine, servi avec euh, des oignons, du piment, euh, de l'ail, euh, de la euh, coriandre euh, et euh, du carvi en poudre. On la saisonne ensuite d'huile d'olive, d'arissa, de jus de citron, avant d'ajouter quelques rondelles d'œufs durs, des capres, des miettes de temps. Par exemple, là, nous avons deux types de salades, ce qu'on appelle salade mouchouilla ou salade grillée. Alors les, les kefta, euh, ils sont connus euh, partout dans le monde. Les kefta sont des boulettes de viande ou de poisson euh, agrémentées euh, d'oignons, euh, de persil et d'œufs. Euh, contrairement aux boulettes habituelles, euh, celles-ci sont écrasées avant d'être fritées. Et là, on a aussi deux de types de kefta. Pour les euh, la shakshouka, donc euh, on retrouve la shakshouka dans de nombreux pays du, du Maghreb ou du Moyen-Orient, mais en Tunisie, elle est préparée avec des œufs moulés, euh, des pommes de terre, des tomates, des oignons, de l'ail et des épices. Le tout revenu dans l'huile d'olive. Donc là, vous avez aussi quelques images sur, euh, sur ce plat euh, très traditionnel tunisien. Euh, le keftaji aussi, donc euh, c'est un plat euh, populaire en Tunisie qui est traditionnellement servi avec euh, du foie grillé ou des merguez ou euh, un œuf euh, au plat. Euh, c'est un mélange de pommes de terre, tomates, poivrons, vert, œuf, euh, citrouille et éventuellement courgette, le tout euh, grossièrement coupé, euh, frit. Puis mélanger et couper en, en petits cubes. Le mélange est ensuite salé, assassiné de harissa et servi avec du persil ou d'oignon euh, finement haché. Et donc là, euh, vous voyez que euh, deux types de, de ce qu'on appelle nous euh, le keftaïji, c'est un plat vraiment très très populaire en, en Tunisie. Euh, pour les desserts, donc euh, on, retiendra, on retiendra par exemple la euh, madmouja à, à base de pâte euh, fouettée fourrée aux dattes et enrobée de sirop de sucre parfumé à l'eau distillée de géranium ou encore euh, donc là c'est euh, ici c'est le madmouja c'est celle-là. Ou encore donc les, les baklawa, généralement servis dans les mariages ou autres festivités. Il s'agit de plusieurs couches de pâte fouilletées et très fine, farcies à l'amande ou aux fruits secs, enrobées d'eau de rose. Le tout est découpé sous forme de losange avant d'être cuit et arrosé de sirop de sucre. Donc là, nous avons la baklawa et elle il faut dire que euh, ce dessert-là, il existe sur, dans plusieurs pays arabes et musulmans, mais euh, ils ne sont pas faits de la même façon qu'en Tunisie que dans les autres pays. Alors, pour le, le, le transport en, en Tunisie, donc, euh, il faut noter aussi que le, 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 le secteur de transport en Tunisie, euh, c'est l'État qui domine ce secteur-là avec à peu près 70%. Euh, détenus par l'État. Euh, donc la tutelle de ce secteur est confiée au ministère du, du Transport qui a euh, pour mission officielle de doter ce pays d'un système de transport global, économique et sûr et donc contrôler le bon fonctionnement envie en vue d'en faire un facteur de développement économique et social. Euh, donc là, pour le transport, on retrouve les trois types de, de transport. Par exemple, pour le transport aérien, donc euh, en Tunisie, nous avons 29 aéroports dans 8 internationaux nous. nous avons la compagnie nationale qui s'appelle Tunisair, qui est la seule compagnie étatique publique, mais aussi nous avons trois compagnies privées qui sont nouvelle Air, Sifax et FreeJet. Au niveau du, du transport terrestre ou euh, transport maritime, donc nous avons la compagnie euh, euh, tunisienne de navigation qui assure la la liaison avec la France, l'Italie et l'Espagne. Et nous avons aussi sept ports maritimes de commerce. Euh, il faut dire que 98% des échanges extérieurs, extérieurs ils passent par les, 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 ces sept ports de commerce. Euh, pour le transport terrestre, donc on trouve le transport euh, ferroviaire avec euh, 2165 km de... Euh, nous avons le métro léger, euh, mais uniquement au Grand Tunis. Euh, les bus, qui, euh, nous avons les bus euh, soit interurbains, urbains ou, ou euh, suburbains. Et aussi, on trouve que les, les taxis et louages, euh, c'est-à-dire transport soit individuel, soit un peu collectif, mais qui est totalement privatisé, les taxis et les louages. Euh, pour les objets euh, typiques de la, de la Tunisie. Donc, euh, j'ai sélectionné quelques objets qu euh, que, qui sont très connus en Tunisie. Donc, par exemple, la, la chachia, on retrouve ici, euh, un service en cuivre, euh, un coffin euh, fait euh, localement, euh, une cage de Sidi Bou Là, on retrouve beaucoup aussi avec aussi les couleurs de Bou Saïd, le bleu et le, et, et le blanc. Euh, une fouta, euh, un bijou en argent, ou encore euh, une djeba, euh, des euh, des balras en cuir, qui sont ça, on retrouve tout ça dans le, la médina, la vieille ville, c'est-à-dire euh, des poteries euh, artisanales. Euh, des boîtes à bijoux en bois, par exemple, ça, comme un objet de souvenir, euh, l'incontournable pullish andromader, bien sûr, et euh, la chicha aussi avec euh, des différentes euh, tailles. Euh, pour la langue, alors euh, donc, euh, bien que 92% de la population euh, parle l'arabe ou l'une de ces variétés, le, re le reste utilisant le berbère, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle le amazir, euh, ou le français. Euh, donc, l'arabe que, euh, que parle la totalité des Tunisiens dans les communications courantes est une variété euh, dialecte appelée arabe-tunisien. C'est une dialecte un peu spécifique par rapport aux autres pays arabes. Pour le gouvernement tunisien, les seules langues parlées dans le pays sont l'arabe, le français et l'anglais. C'est-à-dire les variantes dialectes de l'arabe et les variantes du berbère n'existent pas pour le gouvernement tunisien. D'ailleurs, il ne se fait aucune allusion aux langues berbères. Donc, ce sont des langues qui sont connues officiellement par le par l'État. Euh, ensuite, donc, euh, le français est étudié en tant que deuxième langue depuis le primaire jusqu'à euh, le, le supérieur et des universités. Euh, dans les dernières, par contre, dans les dernières 15, 15 années, euh, l'anglais, habituellement étudié uniquement à partir d'une phase avancée du secondaire, devient en concurrence avec le français et il est désormais étudié depuis le premier âge à toutes les écoles publiques, bien sûr publiques ou privées, et pour tous les niveaux. Euh, il faut dire aussi que la grande majorité de la population tunisienne est de confession musulmane sunnite. Voilà, je pense qu'on est, qu est arrivé à la conclusion. Euh, donc, euh, dix ans après le déclenchement du printemps arabe, la Tunisie poursuit sa démocratisation, euh, tranchant avec les autres pays qui ont souvent basculé dans la répression, la guerre ou le chaos, comme par exemple le Yémen, la Syrie, euh, mais, ou la dictature militaire, comme par exemple l'Égypte. Euh, donc, malgré que le jeune, la jeune démocratie tunisienne partie de l'instabilité politique et d'une situation socio-économique euh, toujours aussi morose. Elle reste l'exception qui défie euh, le temps. Euh, et euh, la Tunisie donc, reste toujours un, une, une terre d'accueil. Donc, euh, disons, après la révolution, la Tunisie cherche toujours son chemin vers un avenir meilleur, mais elle reste toujours la terre, la terre d'accueil, calme et paisible, conviviale et chaleureuse que connaît euh, le monde. Voilà, j'espère que j'ai fait une, une synthèse euh, rapide, mais j'espère que j'ai euh, évoqué les, les principaux points. Que pour pour quelqu'un qui ne connaît pas la Tunisie, c'est un peu compliqué, franchement, de, de présenter la Tunisie qui qui a une histoire et une de plus de 3000 années dans une heure. Mais voilà, j'ai essayé de faire euh, voilà une, une vue synthétique de la Tunisie. Merci beaucoup, Mander, pour cette belle belle présentation. Euh, D'abord, mention spéciale au Centre des Arts et de la Culture de Dieppe et euh, son studio de production live. Euh, je vous euh, propose maintenant de poser vos questions euh, dans les commentaires. Nous allons les montrer dans le moniteur, euh, vos questions. Je vais les lire et euh, Mander va essayer de les répondre. Ouais, j'espère. Vas-y, vous pouvez écrire vos, euh, vos, vos questions dans les commentaires et on va euh, essayer de euh, les répondre. En attendant, les, les questions peut-être juste là. Donc euh, j'ai mis le, le mot euh, un mot typiquement tunisien qui, est, qui veut dire merci. Euh, C'est Aïch qui veut dire à peu près merci. En tant que quelqu'un qui, 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 euh, qui parle arabe comme langue maternelle, j'adore euh, l'accent tunisien. <laughs> ouais. Malgré que ce pas très simple de, de la comprendre. Oui, mais je pense qu'en Afrique du Nord, au moins, euh, nos dialectes s'approchent. Donc, euh, oh ouais, je pense que c'est plus peut-être pour le, les pays du Moyen-Orient. Ce euh, serait un peu plus difficile de comprendre. <laughs> ok, très bien. Donc, il euh, euh, y a plein de personnes dans les commentaires qui te remercient pour la présentation. D'ailleurs, c'était génial. Et euh, c'est ça, on attendra peut-être euh, une minute euh, pour, euh, pour, euh, pour la question des, des, des spectateurs. Et puis, euh, si on n'a pas, on peut donc euh, en ce moment-là conclure la présentation. Euh, vous avez une minute tout le monde pour, euh, s'il vous plaît, écrire vos questions s'il y a lieu. Okay. En tout cas, je vous remercie pour votre suivi. J'espère que vous avez pu connaître la Tunisie, surtout pour les gens qui ne connaissent pas la Tunisie. J'espère que j'ai donné quand même une idée globale sur euh, l'histoire de la Tunisie, sur uh, sa politique économique, euh, euh, sociale, sur euh, les différentes coutumes, les différents plats, malgré qu'il y a beaucoup plus que ça. Je sais, par exemple, s'il y a des Tunisiens qui, qui sont en train de me suivre, certainement ils vont me dire que c'est pourquoi tu n'as pas parlé de ça ou de ça, mais c'est juste une heure et une présentation. On ne peut pas tout, tout présenter, mais j'ai essayé de donner quelques idées, surtout pour les gens qui, qui, qui vont découvrir la Tunisie pour la première fois. Donc. Euh voilà, j'espère que j'ai donné une bonne idée sur ça. Et justement, comme quelqu'un oui. dans les commentaires a dit, que c'est que est, tout est clair. Donc euh, oui, j'avoue que c'était une présentation très détaillée et claire. Donc, euh, c'est peut-être pour ça que euh, on n'a pas de questions pour le moment. Euh, donc, merci encore, Mander, pour euh, ta présentation. Merci de nous avoir fait voyager avec toi en Tunisie. Euh, et euh, rendez-vous tout le monde le mois prochain, le 1er mercredi de mars avec une édition spéciale ado. Donc, euh, ça va être euh, euh, un adolescent, un jeune euh, qui va faire la présentation à Média Payé pour le mois de mars. Et euh, bon après-midi tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Au revoir pour tout le monde.